Coucou les amis. Alors, mes pronostics pour le quinté de demain, qui se déroule à Saint-Cloud sur 2000 mètres pour des chevaux de 3 ans. Donc, mais de base, ce sera le 9. Controversial Lady. Sa dernière course à Saint-Cloud sur 2100 mètres, finit deuxième. Donc là, je le vois carrément gagner. Donc, répéter sa performance. Donc voilà, en deuxième place, ça sera le 6, Kabir. Parce que sur cette course référence, il finit troisième, juste derrière. Donc les deux, je le vois disputer encore la victoire. Donc après, donc pour ces deux-là, vous pouvez faire couplet gagnant placé, simple gagnant placé. Voilà, des petites mises, 5 euros, voilà, c'est vous qui décidez. Après derrière, je vous donne 4 euros. Voilà. Parce que moi je vous donne un quinté en 6 chevaux. Donc vous pouvez faire aussi un multi en 6. Voilà. Parce que le jour où ça tape, c'est bien d'avoir un multi en 6 quand. C'est sûr, c'est mieux d'avoir un multi en 6 qu'en 7 quoi. Bon, donc derrière ça sera l'As, Zilbio. Numéro de corde 6, ça va, correct. Avec lui, ça sera Totoré. Ce sera ou à l'arrivée, dans les trois premiers, ou alors à la ramasse. Voilà. Après, ça sera le 2, Zinari. En forme. Bon numéro de corde. 5 dernières courses dans les 5 premiers. Dans 2 victoires. Donc pareil, je le vois faire arriver. Après le 7. Donc le 7, bon numéro de corde aussi. Ces deux dernières courses sont pas mal. Alors lui, je le retire parce que il va être muni d'un artifice. Et pour la première fois, il va avoir les œillères. Donc ça peut le faire bouche, ça peut faire un petit déclic. Comme le dernier cheval que je retiens, le 4, la grosse cote. Soaking Blue, pareil. Il est en grosse forme. 5 dernières courses courues dans les 5 premiers, toujours. Et il sera aussi muni de hier. Donc, ces deux chevaux-là, ça peut la faire quelque chose et faire l'arrivée. Voilà. Ciao, ciao.